J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, alhamdoulilah. On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo assez spéciale. Une vidéo 100% make-up. En fait, j'ai acheté un coffret chez Sephora. Un coffret make-up qui m'a coûté 42 euros. Il est comme ça. Et il y a plein de choses dedans. Donc, c'est un super coffret, je trouve. Il y a un highlighter Fenty, il y a un crayon à sourcils Anastasia, il y a plein de choses. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté, tout ce qu'il y a dans le coffret. Je vais vous, et on va les tester ensemble sur mon visage. Du coup voilà, j'ai pas mis sur mon visage les produits comme l'highlighter, le mascara, le rouge à lèvres et le crayon à sourcils. Pour bien tester ce que j'ai acheté dans le coffret, ce qu'il y avait dans le coffret Sephora. Donc voilà, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Il suffit de cliquer sur le bouton rouge s'abonner en dessous de la vidéo. Et vous rejoignez la famille Mondjumeur, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera super plaisir. On passe à la vidéo, c'est parti, let's go. Alors ce coffret s'appelle Sephora Favorites Icon Selections. Il y en a pour plus de 100 euros dedans. Donc voilà, on va l'ouvrir, je l'ai toujours pas ouvert. Hein. Donc le coffret il est comme ça, il est joli. Avec des petites lumières, des petits effets de lumière. Et dedans, on a plein de petits confettis. C'est trop mignon. Plein de petits confettis. J'aime trop. Ah ouais, par contre, le rouge à lèvres Charlotte Tilbury, il est tout petit. Hein. C'était le produit que je voulais le plus. Et il est minuscule. Il est minuscule. Je suis assez déçue par ça, par contre. Donc on a tous les confettis. On a le mascara de chez Tarte, le Light Camera Lashes. Je vais poser ça. On a le mascara de chez Tarte. On a le demi-mètre de chez Huda Beauty en teinte CEO. CEO. On a le Trophy Wife de chez Fenty Beauty. J'aimerais bien l'ouvrir. Donc voilà le Trophy Wife de chez Fenty Beauty. Et c'est pas fini. On a le crayon à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills en teinte. Attendez que je vous dise la teinte. Medium Brown. J'espère que ça sera ma teinte. Je vais le tester sur ma main. Ça a l'air d'être ma teinte. La bonne teinte. Donc le crayon Anastasia Beverly Hills avec là le goupillon. Et là le crayon. C'est très bien ça parce que j'avais perdu mon goupillon moi. Et je cherchais un goupillon depuis un moment. Et enfin pour finir on a le Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. Mais il est tout petit. Je suis dégoûtée. Bon, il y en a quand même un dedans. Ça va. Le Pillow Talk, c'est le rouge à lèvres le plus connu de la marque Charlotte Tilbury. C'est bien le Pillow Talk, je dis pas de bêtises. Ouais, c'est le Pillow Talk. Donc voilà. Maintenant, on va tester les produits. Il serait temps de tester les produits. Je commence par quoi? Je commence par faire les sourcils, je pense. J'ai mis le fond de teint, j'ai mis le blush et tout. J'ai commencé par faire mes sourcils avec le crayon Anastasia Beverly Hills, le Brow Wiz. Non, il est bien. Il est super bien. Voilà, mon sourcil fait, mon sourcil pas fait. Waouh, il est super bien ce crayon. Je l'entendais parler, je me disais c'est un simple crayon, je sais pas pourquoi il y a un tel engouement autour de ce crayon. Mais en fait, il est trop bien ce crayon. Ouais, il est trop bien, je fais l'autre sourcil. En fait, pour créer des faux sourcils, c'est trop bien, pour créer des petits poils. Des faux sourcils.
Même pour remplir les sourcils, il est bien. Voilà. Maintenant, je vais brosser avec le côté goupillon. Waouh, c'est trop beau. Je kiffe. Je kiffe, je kiffe. En plus, c'est la bonne couleur. Medium brown. Ouais. Ok. On va passer au mascara. Je vais tester le Light Camera Lashes. Il est dans un... Le packaging, il est assez étrange. Hein. C'est comme dans une housse, mais ça s'enlève pas, en fait, la housse. La housse, elle se retire pas, hein. C'est dans une housse en plastique. C'est bizarre. Tu vois la brosse? La brosse a l'air pas mal. Elle est comme ça. On va tester. C'est que des full size à part le Charlotte Tilbury, le rouge à lèvres Charlotte Tilbury et le mascara Tarte. Le reste, c'est des full size. J'aime bien le mascara. Moi, je préfère le Too Faced, Madame Girl. Même le Kat Von D aussi, le Gobi Garorum. Mais il est bien. Peut-être c'est que je suis habituée aux autres. Peut-être que je suis pas encore assez habituée. Non, je l'aime bien. Pas mal. Pas mal. Je sais pas ce que vous en dites. Ok. Maintenant, on teste pas. On va tester le Trophy Wife. L'highlighter de chez Fenty Beauty, le Trophy Wife. Je pense que je vais même en mettre sur mes paupières. J'aurais dû le tester avant le mascara pour le mettre sur mes paupières. Ça va être compliqué, là. J'ai déjà testé sur mes pommettes. Waouh! Un beau doré comme ça. Il est trop beau. Faut pas en mettre beaucoup, hein. Faut avoir la main légère. J'en remets sur mes paupières. Ça rend bien hein, sur les paupières. Pas mal. Il est bien cet highlighter. Il est bien pigmenté. Un beau doré comme ça. Sur les paupières, ça fait joli aussi. Je vais en mettre sur toute la paupière. Soyons fous. Histoire de briller de partout. Bon après j'ai un problème pour les deux derniers articles, pour les deux derniers produits. C'est deux rouges à lèvres, donc lequel je vais appliquer, je me le demande. Je pense que je vais d'abord appliquer celui-là, je l'essuierai
Et j'appliquerai le Huda Beauty pour un deuxième pour voir les deux. Parce que le Huda Beauty il va sécher, du coup pour l'enlever ce sera plus difficile que lui. Donc je vais appliquer le mat de chez Charlotte Tilbury, le Pillow Talk. Et je l'effacerai et je mettrai le Huda Beauty après pour voir. J'ai envie de tout tester, j'ai envie de tout tester. Il est trop beau ce rouge à lèvres. Je comprends pourquoi tout le monde en parlait. C'est la couleur de mes lèvres, mais en mieux. Trop trop bien. Il est vraiment trop beau le rouge à lèvres. Il est tellement beau que ça me fait mal au cœur de l'enlever, de l'essuyer. Mais j'ai envie de tester le Huda Beauty aussi. Bon, c'est bon, on peut tester le Huda Beauty. Vous avez capté le délire du Charlotte Tilbury, le Pillow Talk. Il est trop beau, ce rouge à lèvres, il me fait craquer. Bon, j'ai pris une lingette. Et je vais essuyer. Avec un crayon à lèvres aussi, j'aurais pu le tester, ça aurait fait trop beau. Donc, le Huda Beauty en teinte Chili Low, le demi-mat, on va le tester tout de suite. Ah ouais, il est canon. Hein. Il est un peu gras. Il est un peu gras, le rouge à lèvres. Mais il est trop beau. C'est un vieux rose. Un rose bien foncé. Ça veut dire qu'il ne sèche pas s'il est demi-mat, il est huileux. J'aimerais bien qu'il sèche un peu. Je me demande s'il va sécher. Je pense pas qu'il va sécher plus que ça. Demi-mat. Il est pas mat complètement, ouais, il est pas totalement mat. J'ai compris pourquoi demi-mat, parce qu'il est un peu brillant, il est un peu gras. Je préférais le Charlotte Tilbury, vous savez quoi? J'efface et je remets le Charlotte Tilbury. Avec un crayon à lèvres cette fois. J'ai appliqué mon crayon à lèvres et du coup je vais remettre comment il s'appelle? Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. Mais il est trop petit, il est tout petit, je suis dégoûtée, je voulais un grand. Avec le crayon, ça fait encore plus beau. Bah voilà le make-up. Here's the look. Bon bah les produits que j'ai retenus dans cette vidéo, c'est le crayon sourcil d'Anastasia Beverly. Il est super bien. Il est super bien ce crayon. Il fait naturel. Il fait des petits. On peut faire des petits poils. On peut recréer des petits poils dans les sourcils. Là où il y a des trous, là où c'est moins rempli, on peut remplir les sourcils. Oh non, pas les travaux, heureusement c'est la fin de la vidéo. Heureusement, alhamdoulilah. Donc le crayon sourcil à la Sasa Beverly en teinte medium brown, il est super bien. Purée, les travaux, mais non, pas ça. Et le rouge à lèvres Charlotte Tilbury, le Pillow Talk, il est super beau. C'est les deux produits que j'ai préférés dans cette vidéo là. Après il y a le mascara aussi qui est pas mal, mais il faudra que je le reteste parce que là à chaud mon avis, je sais pas s'il est fondé. Faudra que je reteste, je vous redirai ça. De toute façon, je les utiliserai dans la prochaine vidéo, dans mes routines make-up et tous ces produits-là. Donc, vous les reverrez bientôt. Donc, voilà. On a fini la vidéo, mes chouchous d'amour. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner, s'il vous plaît, ça me fera super plaisir. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!